Bonjour, ici Pierre Lépensé, en direct de Cracovie. Je vous présente le troisième et le quatrième jour du pèlerinage au GMJ, organisé par Bollers. Ça dépend dans quel groupe. Bah oui. Ouais. Bah non mais toi, non mais non, parce qu'à partir du moment où il est pas dans le groupe 1 ou 2. D'abord, c'est quoi qui t'a marqué à Auschwitz? Quelle émotion d'abord? Le fait que ça soit vraiment réel, parce qu'on a vraiment vu ça dans les livres d'histoire et tout au départ, et c'est vrai que ça devient vraiment réel, on va là où sont morts les gens et on voit ce qui leur a appartenu et ça devient cruellement vivant. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi dur, mais bon, j'ai été scotché, genre un peu choqué. Je connaissais l'histoire et tout. Il y a un chiffre qui te marque? Ou une image mort, ouais, c'est impressionnant. Ça fait combien? Alors 1 300 000 en tout. C'était touchant. Ouais, il y a des trucs qui étaient assez lourds à voir. Enfin, surtout ce qui appartenait, tous les objets personnels entassés. Ça m'a vraiment... Oui, j'étais tout soufflé, genre j'étais là, enfin j'étais un peu scotché, ça m'a beaucoup aimé. Et c'est quoi l'image qui t'a marqué, un chiffre? L'image qui m'a marqué vraiment, c'est tous les cheveux. C'est les cheveux, enfin je suis rentré dans la salle, j'étais vraiment, j'étais mal. Et dans le cadre des JMJ, c'est un voyage adapté? Alors oui, c'est dur.
Mais oui, parce que pour plusieurs points, et un point en particulier, c'est que les juifs, c'est pas des étrangers, c'est des gens qui côtoient, c'est pas une sous-race, c'est des gens comme nous. Et ça a été, on était juifs nous aussi au départ en tant que chrétiens. Avant on était juifs, Jésus était juif. Et ça aurait pu arriver aux chrétiens, ça aurait pu arriver à tout le monde. Et je pense que c'est justement très beau de passer par là avant d'aller à ce rassemblement de jeunes chrétiens. Je trouve que ça pose des questions et comme ça on a tous les GMJ pour y réfléchir. Est-ce que ça en rajoute l'argent ou pas? Du repas que nous avons ce soir, repas polonais servi par traiteur, attention s'il vous plaît. Verdict. Très épicé mais très bon. Non, on n'ose pas le dire, mais elle a les joues en feu. J'espère que je vais bien digérer ce repas. Miam. Se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Votre première messe en polonais. J'ai rien compris. On a rien suivi. Les chants étaient très beaux. Tatouille, tatouille, tatouille. Tatouille, 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 tatouille. Et innovation pour les Toutes les personnes de l'archidoyenné de Saint-Pierre-Chanel sont debout. Ah bah. Est-ce que l'évêque va réussir? On essaye à longer, on vous avait quand même un paquet d'indices normalement. De toutes les personnes debout. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est quoi Saint-Pierre-Chanel? C'est un autre, hein. Bien joué, l'archidiaconesse. Ah non, pardon. C'est moi qui me plante. Monseigneur, voyons.